à régler quelques petites choses en touche. Eh bien non, c'est la sixième touche perdue quand même par Agen aujourd'hui, alors qu'on est à la 44e minute. Mais attention derrière parce qu'il y a un décalage. Et il accélère, et Hugo Truyou. Il a décalé Hugo Truyou. Il le montre, il a trouvé son frère. La fratrie Truyou qui est en train de faire mal à la défense d'Agen avec derrière Atoumanou. Escoura qui vient trouver Barthélémy. Barthélémy, la place au pied, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Barthélémy. Est-ce qu'ils vont aller Adamou, il s'est fait. Lucas Dupont qui marque le premier essai de ce match. Un match qui se décante grâce à la fratrie Truyou. Ouais, très très bien fait, hein. Et encore une fois on en revient à l'efficacité grenobloise, hein, parce qu'ils reviennent de loin, ils étaient à l'entrée de leurs 22 mètres, encore un ballon récupéré, et cette fois-ci on réussit à franchir de manière très classique. On le disait tout à l'heure, hein, je trouve en tout cas que sur leur possession de balle, ils sont un petit peu plus agressifs, ils gagnent beaucoup plus de duels, la preuve sur les extérieurs, ils ont réussi à aller prendre l'extérieur pour franchir avec la vitesse de Truyou, et derrière l'intelligence, le bon choix et la bonne réalisation. Et l'inspiration, Romain Barthélémy. L'inspiration, voilà, de la part de Barthélémy, justement, pour Dupont.